Salut à tous et bienvenue sur En Front. On va continuer la suite du dernier pass, la dernière histoire. On est en train de préparer un missile nucléaire pour péter la PC, je sais pas quoi. On essaye de comprendre un petit peu. Là, donc, dans la vidéo juste avant, on a passé tout le temps à se protéger, à sauver la fille et à armer le nucléaire, mais en comptant que le nucléaire n'était pas comment dire prêt à se lancer. Donc là on va chercher des pièces pour pouvoir lancer. Voilà. Attendez, je lance comme d'hab. Qui est pas mal parce que c'est encore une petite continuation de l'histoire. Où on est encore avec le même personnage. Mais c'est un peu mis à l'envers leur truc. C'est dommage qu'ils l'ont pas mis. Attendez, juste je coupe tout. Je relance les trucs là. Hop. Parce que là ça galère. Dans 2 secondes j'arrive. Voilà. Donc voilà, on est à là. Là on est préparé pour le nucléaire. Allez reprendre. Comme ça j'avais coupé là juste la vidéo d'avant que je vois sur YouTube. Et là on reprend là. Prêt à aller chercher les protégés. Bah je sais plus quoi, on va aller fouiller un village, je pense. Rich, il y a une forte activité de la PC dans le village. Voilà. Des lanceurs de Duster. Merde, c'est logique. La bonne nouvelle, c'est que Cook a déniché ce qu'il fallait. On envoie le bateau avec les pièces du missile à bord maintenant. Je vais leur dire de rester à distance, le temps d'éliminer les deux. Oh putain, j'avais pas vu. Ok, tenez-vous prêts. Je suis coincé. C'est bon. Regardez si je peux fabriquer des choses. Je vais fabriquer des choses. Ça sert à rien, mais c'est pour dire. Il y a du popole. Il y a du monde quand même. Hein. Il y a un mec par là. Ah, je le vois. Je vois le mec. Il est juste là. Oh non! Mais non! Je suis pas d'accord! Je peux pas blairer les snipers. Touché. C'est pour ça qu'on en est un. Putain, j'ai de la merde. Voilà. Comment mourir une unité de marée et être bloqué dans je sais pas quoi en plus? C'est chiant. Je viens de comprendre qu'il y a un match bon. Oh, faut mourir un moment ou l'autre aussi. Putain, c'est quoi ce délire? Je vais pouvoir débarquer sans risque. Mais il va falloir faire vite avant qu'on se fasse repérer. Vous avez choisi le mauvais camp. Heureusement que ce snipe il est vraiment violent. Heureusement. C'est une tuerie ce machin. On entend plein de coups de feu. Tout va bien? Vous direz non, ça non. Tout à l'heure. Mais c'est pas voulu encore une fois, hein. On est complètement à découvert ici. On doit approcher avec le bateau. Je fais de mon mieux, Doyle. Je vous tiens au courant dès que la voie est libre.
un duster en moins. Regardez là. Vraiment. Est-ce que j'essaie de faire le mieux que je peux? Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Mes balles sont en mousse des fois. C'est... J'arrive pas à comprendre. Mais vraiment pas, sur le coup. Starish, y a une et j'ai la meilleure arme. La PC dans le village, dont des lanceurs de duster. Merde. La bonne nouvelle, c'est que Cook a déniché ce qu'il fallait. On envoie le bateau avec les pièces du missile à bord maintenant. Je vais leur dire de rester à distance, le temps d'éliminer les dusters. Ok, tenez-vous prêts. C'est le retour de bâton. J'avais choisi le mauvais camp. Il est nul. Vous avez choisi le mauvais camp. J'ai oublié lui. Vraiment. Je lui suis fait avoir par mon propre piège que je connaissais. C'est le retour de bâton. Ça il est mort. Non parce que autrement il m'emmerde. On va éviter. Brady, ici Doyle à bord du bateau. On attend au large de pouvoir débarquer sans risque. Mais il va falloir faire vite avant qu'on se fasse repérer. C'est fou. Brady, on entend plein de coups de feu. Tout va bien? Ouais, je m'entraîne. Des choses qui arrivent. Y'a rien de grave. T'inquiète. Un duster en moins. On règle les armes. On est complètement à découvert ici. On doit approcher avec le bateau. Je fais du mieux, Doyle. Je vous tiens au courant dès que la voie est libre. Je
Ok, viens voir. Je vous ai tiré, j'avais pas le viser. Eh mais. Si je l'ai eu. Ah non, j'ai pas eu. J'ai juste blessé. Ah si, je l'ai eu. C'est qu'il y en a un dans la maison là. Je vais l'enfler. Brady, c'est Lisa. On va manquer de temps. La flotte est sur le point de débarquer. Ça va être un massacre. Faites mon mieux. Occupe-toi d'être prête de ton côté. Je serai prête. Quoi ? J'ai fumé ? J'étais pas sûr. Il est où ? Ah, j'étais pas sûr. Merde, bah une de plus. Putain, mais c'est quoi ce snipe? D'un coup il tue les gens. Mais non, mais c'est chiant. Donne-moi. Eh bah putain. Voilà pour rigoler, mec, je te le dis, moi. Ah, c'est pas moi. Autant pour moi. Donne-moi. On prend le chiffre. Allez, on y retourne. Ouais. C'est dur hein, leur connerie là. Je pense que c'est pas si facile hein. Amenez-vous avec le bateau. Ok, on est en route. Venez nous retrouver sur le quai. On a un camion avec les pièces du missile prêt à partir. Putain. C'est pas là pour niaiser, hein, mon brave. Je vais chercher la caisse là-haut. Ah mais là faut que je les prenne parce que
Je sais pas ce qui peut arriver, je sais pas y'a qui, je sais pas. On est vachement gâté dans ce jeu. Sauf il me dit. Ah, c'est ça. Donc on se fait vite surprendre, je trouve. Enfin, faut pas sauter. On va passer par là. Ça fait plaisir de vous voir, Brady. Les pièces qu'il vous faut sont chargées dans le camion. Dites-nous juste où on va. Content de tous vous voir, mais on n'a pas de temps à perdre. Je sais pas pourquoi, je sens vraiment qu'on va se faire attaquer. Vraiment à 100%. Brady, c'est quoi le plan? On a tout le matos de Cook et quelques bricoles en plus pour... À couvert! Je l'avais pas dit? Un sniper! Attention! Tous je l'avais pas dit? Protégez le bateau! On a besoin des pièces du missile! Les plus costauds sont morts. Couvrez-moi, je recharge. Une chose de fait. Où ils sont là? C'est moi ou je vois où ils sont? Ah, je m'en doutais, mais je m'en doutais, je l'avais dit. Hein. Vraiment. Hein. J'ai dit, je le sens pas. Quand t'as un endroit avec beaucoup de pièces d'armes d'un côté, tu sens très bien. Que ça va plus, ouais, vraiment. Et là, c'est ce qui est arrivé. Brady, prenez cette moto, c'est pas le moment de traîner. Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, bah. Les gars, vous dites ça, mais derrière, faut bien que je dis que les mecs, moi. Il veut pas que je monte dessus. Merci. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer alors. Déchargez les pièces du missile le plus vite possible. Je vais voir si Lisa est prête. Entendu. Ça c'est de la descente. Ça c'est de la descente. Ouais. Tout est là. Les gars déchargent le camion. Il te faut autre chose? Non, ça ira. J'ai installé l'ogive et programmé la trajectoire de vol. Une fois les réparations faites, on passe au lancement. Et on se venge. Alors, tu veux appuyer sur le bouton? Oh, avec plaisir. Brady, la PC se dirige dans notre direction. Ils sont nombreux, on a besoin de vous là-haut. Non. Combien de temps avant le lancement? Pas beaucoup. Encore quelques minutes pour réparer. Rien ne garantit qu'on s'en sortira une fois le missile lancé. Je sais. À condition de le lancer. Fais-moi gagner du temps. D'accord. Là, si vous tentez l'explosion, j'y peux rien. Hein. C'est des gens qui font la fête là. Il pète des pétards pas loin de chez moi. Ou des feux d'artifice. Les éclaireurs ont repéré un paquet de soldats de la PC qui viennent vers nous. On doit se préparer. On s'installe dans la grange. Allez. J'y peux rien si vous entendez des pan. Normalement non, mais on sait jamais. Lisa, verrouille les entrées et répare ce missile. Ok. Et ferme maintenant. Ça aurait été drôle. Brady, il y a une cache d'armes là-haut. Mieux vaut s'équiper. Ah, tu veux dire quoi? Vraiment tirer un missile nucléaire? Non.
Et si on y arrive, on aura gagné, compris? Donnez tout ce que vous avez! Entendu, Brady! On y va! Prenez vos munitions! Allez, préparez-vous! Alors? Ils arrivent pas où? Ils arrivent pas où? Tout le monde en position défensive! Attention, convoi de la PC en approche! Contact! On a des dirigeables, des hélicos, des troupes terrestres! Ils ont sorti le... Wouah, c'est la guerre mondiale, les mecs là! Sur les forces terrestres! Il faut les repousser! Les mortiers! À couvert! Ils ont fait venir l'artillerie! De la guerre, mon colonel! Contact! Ok! Faut mourir. Faut tu prends une balle de snipe ou quoi? Faut mourir un jour. Tu sais, je vais, hein. Ouais. Bon. Dans mon direct, des fois, je touche pas. C'est moi ou... Ouais, je touche, hein. Ça veut pas. Avancez. Vous allez crever, enfoiré. Je dis, on bouge. On va essayer d'en pirater un. Je suis pas sûr sur la distance. Viens, je tire. Je crois que c'est bon. Tu dois partir. Sors-toi. Attends, je n'ai pas vu celui-là. Voilà. C'est une Z. Une Z qui est seule. Compris. Vous allez crever, enfoiré. Détournez leur attention. Épousez ma couverture. Grenade. Brady, j'ai installé et remis en marche le gyroscope. Je vérifie le système de guidage. Il me faut encore un peu de temps. Mène-toi, Lisa. Bien sûr. C'est une lag, là. De snipe. Préparez-vous à décoller. Il est désaspiré. Oh. C'est quoi, c'est...
Mec, alors, je peux pas lui tirer dessus, il bouge tout le temps. Oh là, dors un petit peu toi. Et là j'en peux plus. Et... On parle de, du mec qui vient de me flinguer. Mec, il est en train de me faire de la merde. Même plus de vie. Ça prend du roquette ça hein. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir reprendre. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Ah là il y a des chantiers, je me vois. Dès que j'ai plus de vie. Et j'ai rien pour me soigner. Descends vers la mine. Tu feras les commandes hydrauliques.
Je suis devenu la mort. C'est quoi le délire? On m'explique? Tout le monde en position défensive. Attention, oh non, hein. Convoi de la PC en approche. Contact, on a des dirigeables, des hélicos, des troupes terrestres. Ils ont sorti le grand jeu. Tout le monde sur les forces. Bah ouais, mais là, les gars, je comprends pas, moi. Je veux bien, mais là, c'est quoi ce délire? Roquette, je vais jouer aux roquettes moi. Je vois que là on se fout de ma gueule. Faut pas se foutre de ma gueule longtemps, je vous le dis moi. J'ai plus mon temps. Hein. Non bah mort l'autre, merde. Faire chier. Partout les gars, j'ai un peu con à dire ce que vous dites là. Alors, oh, on a attaqué, bah oui. C'est ça. C'est ça, vous je suis attaqué. Oh putain, c'est bon. On va aller rechercher des munitions. Attention. Alors, dors un peu, là, c'est bon. Oh, mais attends. Tu es beau con. J'ai assemblé le panneau. Je retourne dans la salle des commandes pour les dernières vérifications. Tu joues au con. Oh, c'est là où je m'amuse le plus, moi. Faut tout péter, quoi. Ouais, bah là, ça va jouer moins de temps. Alors, vous envolez ? Ouais, moi aussi. Non ! Merde, faut que je bouge ! Oh, arrêtez-les ! C'est parti ! Oh, je l'ai pas vu. Au moins. Bien sûr. Le mec, il me prend pour un con. Faut peut-être arriver à lui tirer dessus un jour, quand même, non ? Quoi, il fait le tour du monde. En fait, c'est de courir le plus qu'il peut. Non, je sais pas. Je tire. Merci. Bon. Faites des tirs de suppression, si vous bougez. Ouh, ça arrive. Ok.
t'es vachement bien caché, toi. Inconniat arrive. Mais t'étais plus bien caché, toi. Il faut l'abattre. Où ils arrivent déjà? Ils arrivent par où, les Godzilla? Ah là. On va essayer d'en pirater un pour voir. Je peux le faire. Il bouge trop. Vraiment. Voilà. Oh bah c'est tout moi qui fais les cocos. Faites pas trop les marioles quand même. Parce que là tout de suite vous pétez pas grand chose on va dire. C'est moi qui m'amuse un peu là. Ça je dis rien. On le retourne dans la gueule quand même. Ça me gonfle. Et l'autre, regarde ça. Brady, les portes du silo à missiles sont bloquées. Et l'autre, comment? Qu'est-ce qu'on fait? Le lanceur reste commande hydraulique. Mais les protocoles de lancement me parlent d'accès. Et le troisième. J'enlève rien du tout. On va pouvoir prendre la balle. D'accord. Quoi, quoi, quoi? Mais quoi? Oh non, mais vas-y, j'ai jamais... Qu'est-ce qu'il fait dans le bâtiment? Oh non, mais je déteste parce que je dois recommencer tout. Oh, je l'ai jamais vu aller dans le bâtiment. Jamais, jamais, jamais. Ah non, là, sous le coup, j'ai jamais vu aller dans le bâtiment. Putain, je suis dégoûté. Vraiment. Ah, je suis deg. Ah, vraiment, là, sous le coup. Il fait nimp comme d'hab, hein. Et mes slips, pourquoi, il veut pas? On a de la visite. Voilà, ça comme ça. Ok, c'est les voies. Avancez et tirez. Laissez-moi, j'approche de la gare. Voilà, parce que celui-là, il tape aussi le snipe. C'est pour ça. C'est ma gueule, non? Avancez et tirez. Suivez-moi. C'est quoi là? Il est loin à tirer. Derrière, il envoie du pâté. Jamais voulu. Il m'énerve qu'il fait ça. Avancez et tirez. Allez, on est reparti. Ah, l'autre qui était dans le bâtiment, j'étais dégoûté, je l'ai jamais vu. Ah, il est vite comme ça. Ah non, mais c'est pas cool de me faire entrer des dégâts dans le bâtiment. J'ai installé et remis en marche le gyroscope. Je vérifie le système de guidage. Il me faut encore un peu de temps. Putain, tu t'y attends pas, c'est trop chaud. Achetez
fais du nettoyage, mais... J'ai perdu. Ah oui, on en a toujours un qui fait le marathon dans le jeu. Incompréhensible, je sais. Ici, tu dirige là. Oh. Attends. Attends. Non. J'ai assemblé le panneau. Je retourne dans la salle des commandes pour les dernières vérifications. J'y suis presque. Aucun mastodon. Viens, on a vu le mec. Pourquoi toi ? Je fais gaffe parce que des fois, comme je dis, des fois ils sont là donc. Oui, pétez-le là! J'arrive pas à le tuer hein! Allez, on y arrive! Je sais pas si je peux. Non. Pas du tout. Pour moi, je pense. Comme quoi vous battez là ? Vous avez pas vu. J'arrive. Encore ? Un Goliath arrive ! Un Goliath arrive ! Là je lui ai déjà fait mal, c'est bien. Donc ça veut dire qu'il ne me restera plus grand chose à lui enculer. Faut se dire. Waouh, vas-y, je déteste un petit cul en même temps. On va aller. Le Goya, je sais pas trop si on peut les défoncer comme on pense. Là c'était pour moi ça. Là c'était cadeau. Là c'était cadeau hein. Il a pas aimé que lui brouille dans la gueule. Vraiment pas. Goliath n'a pas été content. J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur de le tirer dans le mur. Avec ma chance. Super dur. Voilà, rien de moins. Waouh! Et là, il est trop fort là! Les vérifications sont faites. Allez, on en reste un normalement. On y va. Ok, initialisation de la séquence. Il va où le salaud? Merde, il va où? Défaillance du système, lancement annulé. Je vois pas là hein. Ça va être dur à tirer. Le lanceur a une commande hydraulique de secours. Mais les protocoles de lancement me barrent l'accès. C'est dur là. Eh les gars, bougez. Comment on peut me barrer? Allez, on va se barrer. Avant qu'il m'arrive une chose. Bonjour, au revoir encore une fois hein, les gens. Restez, vous êtes les bons. Je vous aime tous. Même que c'est de la bonne année. Descends vers la vitre. Tu trouveras les commandes hydrauliques. Brady, la PC a réussi à entrer. Ils sont à la porte. Merde, j'y suis. Brady, ils vont bien. Ah, j'avais pas vu le temps en haut tout à l'heure. Allez. Au fait, basta roquette. Et je reste dedans. Je peux pas. Fais-le. Ils ont presque passé la porte. Appuie sur le bouton. Lisa, on n'a pas fait tout ça pour rien.
Oui, bah appuie là, parce que là on est dans la merde là. Elle a pas appuyé. Séquence de lancement activée. Démarrage séquence auto. Il y a pas tout le bouton. Bah oui, bah retape. Séquenceur de lancement au sol prêt pour l'allumage du moteur. T-10. 9. Mise à feu des propulseurs. 6. 5. Ça, ça pèterait quand tu tires un gros doigt, faut pas dire. Allez. Ça pèterait quand tu tires un gros fuck. Peuple d'Amérique. Allez, s'en foutre. Bah là on est mort, hein, parce que là on se trouve à 1000 degrés, là je sais même pas. Grâce aux immenses sacrifices de la résistance et à la loyauté de nos alliés européens, une dernière chance de rester dur, hein, la liberté s'offre à nous. C'était pas si facile, hein. Ne la laissons pas nous échapper. Nous devons nous préparer une nouvelle fois et travailler main dans la main avec nos alliés pour affronter les forces qui nous ont si longtemps oppressés. Ensemble, nous ne pourrons pas échouer. Alors, prenez les armes et préparez-vous au combat. Et un jour, on arrive à les repousser quand même, parce que... Et bah voilà, dernier... Il était bien celui-là aussi, hein. Il était dur, hein. Mais il était bien. Il était plus long que les autres. Donc celui-là, il valait le coup. Parce que j'ai pu faire en deux vidéos. Que les autres, ça durait même pas une demi-heure. Ouais. Si tout se passait bien, quoi. Voilà. Et bah je vais couper là. Je vous dis merci à tous ceux qui sont passés là. Si vous voulez revoir toutes les vidéos de Homefront, voir comment gagner ci, gagner ça, comment faire ci, comment faire ça... Tout est sur YouTube. Voilà. Sur le Zip 71. Allez. À plus tout le monde.